Moi, je vous annonce que la classe paladin va être nerfée à la prochaine séance. Donc, prochaine mage. Le dégainage, c'est une action. Ça prend pas d'action. Alors, à chaque fois, on va se faire. Faut se faire un mémo. Hein. Attaque à distance. C'est noté dans le mémo. Bah, je vais aller ouvert là, mais. Autre activité. En fait, ça sent rapide. Parler, dégainer, etc. Son voilà. Côté complexe, quand même. Rose. C'est ça. Et les actions peuvent déclencher une réaction. Dans n'importe quel ordre, une créature peut déplacement, voilà. Plus ou autre activité, plus action, action bonus, et. Un et, hein, il me semble. Un et ou un ou c'est une barre. Tu peux dégainer, tu peux donc faire une action et avoir une action bonus. Je comprends bien le schéma. Mais l'action bonus, il faut que tu aies quelque chose qui te donne une action bonus. Si oui, si tu l'avais, mais oui, effectivement, tu pourrais te déplacer. Par contre, dégainer, c'est donc une action, tu m'as dit ? Bah, si, enfin, il t'autorise un déplacement, une action, une autre activité qui peut être dégainée, et éventuellement, si t'as une action bonus. C'est les quatre trucs que tu peux faire. Enfin, c'est plus rapide par le dégainer, ah oui. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu. Ouais, c'est normal, c'est changer d'arme qui te prendrait une action. Et là, non, tu peux donc. Donc, bah, je lui donne un coup. Elle est rousse quand même, hein? Parce qu'il paraît tout petit, Bénédicte, à côté. Bah, et toi alors? Mais d'ailleurs, mon token n'est pas. Oui, ben. Mais moi, c'est normal. Il donne un coup de griffe. Hein, y a pas de commentaire de Stéphane. Ça touche? Ouais, il touche, hein? Il donne bon coup d'épée. Lui aussi, il donne un coup de griffe. Allez. T'es nul. Je mets un pouce rouge, hein. Donc cacher ta arme. Yes. Oh, je fonce même pas, je me déplace lentement donc. Et Je me déplace lentement. Mais rapide, vicaze. Je siffle. C'est ça. Ah, on croirait avoir gay quoi. Ouais, je vais me ralentir. Et je double tape, alors je commence déjà à taper en griffe. Paf, voilà, ça touche, fait les dégâts. Parfait. Il l'a fait. Et je lui applique un. Un pansement. Non. Allez, encore un essai. Oh, il a bobo la chouette. Un JS en dextérité. Je sais pas si ça a marché, ça, ce que j'ai fait. Mais par contre, je suis pas sûr que ce soit un DC-10. Je savais pas, c'était marqué nulle part. Je fais du sauvegarde. J'ai sauvegardé des capacités. Ah ouais, mais je l'ai. Merde, j'avais pas vu et en fait j'avais la réponse. C'est 8 plus le bonus de maîtrise, je suis à 2, non? Donc c'est 10, plus le modificateur de sagesse. Tu l'as pris dans quoi dans... Sur AIDDD5, le site. Oui. Donc c'est... Tu m'as dit... il fallait le refaire. Ouais, il faudrait surtout que je le scripte mieux, ouais. Clique la main ouverte, c'est... Ouf, toc. Donc où est mon modificateur de sagesse? Bah, je lui suis les yeux. Voilà, plus. Et 3... Donc 8 pour le bonus de maîtrise, je sais pas où il est. Je crois que c'est 2, mais je... C'est plus 2 sur bonus de maîtrise. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça, donc c'est j'ai déjà 10. Ouais. Jadis, plus sa sagesse, donc c'était 13. Il fallait qu'il réussisse 13, sagesse, il a fait 20, il a réussi. C'est sagesse, c'est ça? Ouais. Ah, tu es en train donc de le. Ah, ouais, je suis en train de te le mettre. Hein. Automatique à la gueule, c'est bien. C'est merci. Pour ça qu'il fallait faire. 10, c'est ça. Et l'autre, c'est la et l'autre, c'est pareil. C'est G2 contre la Dex. Alors là, donc, c'est là, j'ai fait faire le Dex. L'autre, c'est contre la force, ouais. Et c'est un G de dextérité contre ta force, c'est ça? Non, c'est un jet de dextérité contre ce jet de sauvegarde là du ki. Et 8 plus 2, plus sagesse. Oui, c'est comme ça, c'est ce que t'as fait. Ok. Donc là, j'ai tapé un coup, j'ai fait celui-là, je tape mon deuxième coup. Ouais, de toute façon, il avait fait 20, hein, donc. Oui, tout à fait. Donc le deuxième coup, pouf. Ok. Et là, je lui fais pas de réaction ce tour. Pas de réaction ce retour.
Je lui ai mis un petit effet. Ça, y a pas de jet. Y a pas de jet, c'est juste toi qui gères. Ok. C'est à max. Là, voilà. Pas max. Merci pour avoir fait passer le tour. Je m'avance. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je vais en profiter pour lui donner un coup de rapière. Hein. Alors, il est grand, je vais taper dans les jambes encore, comme d'hab. Et j'ai pas réussi à trouver le cri du hibours, hein, quand même. Je pense que c'est touché. Donc je vais lui infliger, en plus je suis à côté, je vais pouvoir faire une attaque sournoise. Donc déjà le coup de la rapière. Et ensuite. Mais tu fais mal toi. Schling. Oh c'est bon ça. Ça t'es bien ça. Ah tu fais mal. C'est un hibours en rut. Bénédicte, je crois qu'il. Bénédicte, je crois que t'as la tête. Côte de maille. Oh, Bénédicte, secours. Ah, c'est pas ça, ça. Ça s'est jeté un petit esquisse. Dis donc à Libourse. Comme vous pouvez voir, Libourse est très rapide quand même, puisqu'il effectue deux attaques, une avec son bec et une avec ses griffes. Je croyais qu'il n'avait pas de réaction. Ah oui, il peut pas faire de réaction. Ouais. C'est pas une réaction. Oui, c'est pas une réaction, c'est son attaque. C'est son attaque. C'est son attaque. Il tape qui? Enfin, il a les yeux qui lui tournent vers dans quelle direction? C'est une bonne question. Il tape le chat. Et il touche le chat. Et il lui donne un bon grand coup de bec. Et ça pique. Il n'y a pas mieux où là. Ça ronronne pas. Et un coup de griffe sur Bénédicte qui touche aussi. Chéterne, t'es tout touffu. Il y a plus 7 quand même. Eh, quand même, bah c'est un. Eh, ouais. C'est un hibours. Un hibours. Allez, Altiris, vas-y, on y croit. Mais ça y est, vous êtes niveau 3, hein. C'est fini les cobalt les gars. Quoique, ADD5, attention au nombre. C'est ça. Voilà. Ouh, un trait de feu qui est parti dans la direction. Elle était quand même balèze, parce que hier, le magot du groupe auquel j'ai maîtrisé, il m'a lancé à peu près 24 traits de glace. Il y en a peut-être 2 qui ont touché, quoi. Et voilà. Ah, il commence à brûler, il a pas apprécié du tout. C'est à moi. Cette affaire. Hein. Vous avez du bol. Ouais, alors. Oui. On a du bol, on a vraiment du bol. Donc un coup de rapière. Hop. Qui touche. En sournoise, évidemment. Oh, c'est bon ça. Et je me déplace. C'est pire que ça parce que. Ah si, tu l'as fait, j'allais dire la tête. Pourquoi ouais. Tu peux faire la sournoise? Parce que vous êtes sur dessus, c'est ça? Et qu'il est adjacent, ouais. Il est occupé par un. D'accord. Et même ennemi. Il n'a pas besoin, lui, d'être à côté de quelqu'un d'autre, c'est sa cible. J'utilise ma ruse. Pour. Oui. Ouais, ma ruse. Ah bah voilà là. J'irai pas au Valhalla, mais je m'en fous. Ah bah voilà. Et donc je peux faire une action bonus. Donc ce que je fais, comme ça, je me désengage en fait. Je me mets là. Hors de portée en fait. Paf. Ah bah c'est moi. Et voilà. Et c'est encore moi qui ai tout fait. Et je voulais rôti en plus, plumé et rôti. Ouais. Déplumé, hop, prêt à foutre sur le feu. C'est Renato qui déplumé. Qui Juste rôti. Qui C'est qui Renato? Renato quoi. Moi je t'appelle Renato, hein. Oh là là, je crois que je joue pas que je joue le nom non plus. Hein. Oh putain. Renato le tourneur. Et donc, vous débarrassez. Cette créature. Bravo. Ouais, c'est pas comme une cible. Oh non, mais j'ai pas mangé de ce pain. Et du coup, moi, je maintiens ma concentration pendant 10 rounds. Hein.
Et ben on va te laisser là, hein, oui, salut. Oui, mais c'est du bon, temporaire, hein, mon grand. Chut, ah, oui. concentré. C'est du temporaire, mon grand, ça va pas te servir. Hein. Il va y concentrer, à faire une sauce, Bénédicte. Fais gaffe à pas le vexer, tu marches sur des œufs avec Bénédicte. Joli, non, joli. Après, bon, pour ceux qui connaissent rien à cuisine, désolé. Tu as mal le chat, j'ai l'impression. Le chat. Non, ça va aller. Bah, on va se reposer un peu. Ouais, une petite heure. Hein. Est-ce qu'on sait des choses sur les bourses? Bon, c'est qu'ils sont grands et qu'ils font mal. Oui, effectivement, oui, ça, vous savez que ça fait mal. Qui c'est qui a... Logiquement, il y a que les chasseurs de monstres. Ouais, mais il y a que les chasseurs de monstres, logiquement, qui peuvent le faire. Ah ouais. Ouais. Pour avoir des renseignements sur des trucs comme ça. C'est pas comme un Pathfinder, quoi. D'accord. Y a que qui peuvent le faire ou ils ont un avantage pour le faire? Je sais pas. Ces machins-là, c'est vraiment rédhibitoire ou c'est juste un avantage? Après, je pense que la difficulté, si tu veux, de l'histoire, enfin, de et doit être. Chez les rôdeurs, hein, chasseurs de monstres. Ouais, chasseurs de monstres, les rôdeurs. Chasseurs mortels, ouais, c'est ça. C'est pas marqué là. Alors après, ça va dépendre du meneur de jeu. Soit il permet de faire lancer un dé avec une difficulté qui est assez élevée. Pour avoir des renseignements sur les créatures, ou tu peux pas lancer. Non, parce qu'ils ont l'avantage au jet de sagesse, voilà, pour leurs ennemis, ainsi qu'un jet en survie et en intelligence. Donc on peut faire un jet de survie pour savoir en fait. Donc les autres pourraient si peut-être avoir sans avantage, enfin je sais pas ensuite, c'est pas dit. Tu peux faire un jet de survie en désavantage. Puisqu'il faut puisque tu ou en normal, enfin ça dépend du meneur de jeu. Après. Ça dépend de toi, Franck. Tu peux faire un jet de survie normal. Par contre, je me limiterai automatiquement à certaines informations. Il n'y a que chasseurs de monstres qui connaîtront tout ce qui est connaissance. Tu peux pas l'avoir inventé, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu n'es pas physicien nucléaire. Du coup, je lance aussi, mais bon. Oui. Bon, ouais. Même professionnel, c'est pas génial. Hein. Vous savez que vous avez vaguement entendu parler, il paraîtrait donc ce sont des. Bon, vous savez que c'est des créatures très agressives, ça vous l'avez vu quand même. A priori, vous avez entendu parler quand même. Il y aurait une légende qui dirait qu'ils sont tenaillés en permanence, il y aurait une malédiction sur eux, et qu'ils seraient en permanence tenaillés par la faim. D'accord. D'autres disent que c'est l'instinct juste de la créature, que ce monstre, cette espèce de croisement qui aurait été fait par une expérience qui aurait mal tourné, c'est la légende. Voilà, ils disent que c'est simplement sa nature. Après, sur l'écologie, vous savez pas trop. Voilà, mais en fait, c'était juste pour savoir ça. Si par exemple, c'est une créature qui vit dans les grottes ou des choses comme ça, en fait. Donc je sais pas. Donc, ok. Parfait. Ah, vous savez pas trop. Bénédicte, on y va? Juste derrière un arbre. Regardez Bénédicte, là, son châtiment. Là. Je veux savoir s'il régénère. C'est quoi? C'est du soin? Soin, si c'est régénéré, si c'est. Moi, c'est. C'est des pratiques temporaires, donc tu peux pas te soigner avec. Bien, ce qui me semblait, c'est que l'un de vous avait dit temporaire. Hein. C'est temporaire. Donc tu perds. Quand le sort se termine, au bout d'une minute, tu reviendrais au même point. Quoi. Donc c'est les points temporaires Mais du coup, ça fait qu'effectivement, même s'il est pas blessé, il a ce gain de points. Ah, par contre, en combat, ce qu'il y a de bien, c'est que ça te soigne. Oui, d'accord. À la fin du combat, quand ça se termine, absorbe. Tu perds tes points temporaires que t'as acquis te reste, en gros. D'accord, ok. C'est plus logique, je dirais. Parce que sinon, c'est vraiment. Sinon, c'était méga cheaté, sinon. T'es là, Antoine?
Non, il est AFK. Ah, mais j'ai pas vu. Moi, je suis là, je suis retour. Ouais, tu vois qu'il est là, tu... en plus, tu me mens. Ah, il vient de sortir de derrière l'arbre où il faisait ses besoins, mais avec la, l'armure. Ouais, en vrai, il était AFK. Bon, ben, on repart. Aïe. À Marseille. Mais vous, oui, vous continuez donc votre route. Hein, on fait une pause. Ouais, une pause, ouais, aïe. Ok, d'accord, bon, je vais mettre. Ouais, je serai pas un pote. Bon, bah, je vais m'asseoir sur le tronc d'arbre là-bas. Enfin, je vais éviter les piquants quand même. Une petite sieste d'une heure. Tiens, moi je prends celui-là. Puis je vais en profiter. Ah, bah oui, vous finissez avant ou vous faites directement. Oui, bah, je suis un petit. Un petit dé. Je suis pas blessé moi donc ça va. Bon, mais vous allumez un feu, vous faites un ouais. Bouffer. Un bouté. On fait un feu ? Ah, bah on fait un feu. On reste là pour la soirée, c'est ça ? Pas la soirée, mais. En fait, il me pose une heure, donc. Pourquoi ouais. Il me restait que 2 dés Moi aussi, moi, c'est que 2 dés. Et pourtant, tout à l'heure, je vous ai fait passer. J'avais fait un repos long tout à l'heure. Ouais, moi aussi, j'ai 2 dés. Moi, je crois qu'il m'en restait plus, hein, donc c'est peut-être une question de. Moi aussi, il me reste. Pourtant, je suis de niveau 3, ou... Il me reste 2 dés. Donc, normalement, on devrait avoir tous 3 dés. Pourquoi ? Et donc là, il me devrait en rester. Parce qu'on en a utilisé un, apparemment. Moi, j'ai marqué un utilisé. Alors, attends, si on je fais ça. On peut faire un repos long tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Allez dans le. Oui, mais un repos long, tu gagnes pas tous tes dés quand tu prends un repos long. Oui. C'est pas automatique, tu regagnes pas tous les dés d'un coup. Ah, bah alors je remets un. Oui, oui, mais un repos long, tu gagnes quand même, tu regagnes quand même un dé. Tu regagnes une partie des dés, mais. Ouais. C'est pas. Une connerie. C'est qu'un dé. C'est qu'un dé parce que moi j'avais utilisé. Mais, tu gagnes, mais, voilà, mais, donc vous avez dépensé mais... plus en fait. Ah, on en avait des. Ouais, on avait... Oui, 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 j'étais à zéro. Oui, j'étais à zéro, donc on a déjà regagné. Ouais, c'est ça. Logiquement, c'est automatisé, hein, donc logiquement, on ne va pas avoir. Ça devait être bon, ouais. Je pense que c'est bon. Hein. Parce que moi, il m'en reste un. J'ai que 2 dés, donc moi, je les avais tous cramés. Ouais, donc, je vais utiliser un dé, je vais voir si je. Dégâts et guérison. C'est déjà ça avec Gogot, ça, Antoine. Moi je peux pas récupérer. Non. Ouais. Tiens, y a pas les repos. Bah, j'en profite, je reviens rapidement. Ah non, là, tu pars. Tu gagnes qu'une partie de tes dés hein, avec le repos, mais. Ouais, putain, ils auraient dû faire le plus petit encore à écrire dans le dragon. T'as des yeux qu'il faut, quoi. Résistance. Repos. Repos. Page 86. On va avoir la réponse tout de suite. On va finir par s'y connaître à la force, un donjon dragon. Page 86, c'est pas ça du tout. Bah oui, je me suis précipité à page 86. Et... Bah oui. C'est quoi cette next de merde. 298. C'est un livre dont vous êtes le héros, donc... Au sommaire, page 86, voire page 53 ou 73, choisissez, et 73, c'est... choisissez 17 ou 26, etc., etc. Et moi, comme un crétin, je regarde la page 298, putain. Eh, je te vois pas, hein, c'est écrit page 86, hein, pour repos. Ouais, mais c'est peut-être pas forcément pour repos, c'est peut-être... Si, parce qu'après, il y a écrit repos court, repos long, voire repos. Repos, c'est 86. Peut-être 186 286 C'est dans l'Irata. Tous les 86 86 ouais, 72 186 258 Repos long. Un repos long c'est 8 heures, blablabla, 6 heures, 2 heures, on fait ça. La fin d'un repos long, le personnage récupère tous ses points de vie perdus. Ah. Ça c'est bon. C'est full heal, la fin d'un repos long. Par contre, tu récupères une seule partie de ces dés de vie dépensés. Jusqu'à un maximum de la moitié de son nombre de vie. Donc c'est pour ça que vous n'en avez récupéré que un, vous êtes niveau 2. D'accord. Vous n'en récupérez que. Par contre, vos points de vie sont guéris. Vos points de dégâts.
C'est ça. Si vous n'êtes pas interrompu. Il y a une petite subtilité de la règle. Hein. C'est pour ça qu'on a, c'est pour ça qu'on a mélangé les deux. Si je fais bien passer le repos long en cours. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis l'automatisation, c'est le rule set de DD5, donc logiquement. Ouais, mais après, on connaît plus les règles, puis c'est automatisé. Et oui. Ah oui, mais on a plus à s'en soucier non plus. Donc, par contre, les points de vie, ben, ça y est, vous avez tout récupéré. Il n'y a plus de points. Pourquoi il a 3 points de blessure chez Tarn? Parce que j'ai pris un cours et puis j'ai pris un dé et puis ça m'a remonté qu'à 3. Je vous fais passer un repos court, si ça fait pas grand chose du coup. Bah si, ça réagit pour les réactions ou pour les. Ouais. Parce que c'est moi, ça me fait récupérer mon héroïsme. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah voilà, un repos court, hop. Par contre, je peux pas la cocher mon héroïsme. C'est-à-dire Ah merde, oui, c'est pas. La canalisation, j'en ai qu'une, pas entre deux. Ouais. Il aurait fallu mettre dans. Bon, bah, je verrai ça après, hein, parce que. Et il faudrait que j'arrive à le mettre avec une case à cocher, là. C'est un peu la. Je t'avoue que c'est un peu la merde à faire. C'est la cage. La cache et la bannière. Bon, si je trouve. Non, ça y est, c'est ça, hein. Quotidien. T'en as un, c'est ça? Un seul, mais c'est récupérable. Oui, par contre, c'est entre deux repos. Voilà. Comme ça. Mieux. Ouais. C'est excellent. Par contre, ouais. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Où tu vas? Tu vas. J'ai bien m'amuser, moi. Un truc dans le background en fait c'est pas exactement ça là je peux utiliser ouais tu l'envoies ah il est deux mais c'est l'un ou l'autre ah ouais mais je peux pas non, ça, non, c'est l'un ou l'autre. T'es en train de réviser un scénario que tu vas nous faire c'est ça ah non pas du tout non je regardais mes pouvoirs en fait ah oula ça, d'accord c'est à toi de voir comment on gère le truc mais ouais mais faut que je mais moi si je retiens que ici y en a un de coché je peux pas utiliser ouais bon, on aura peut-être oublié dans quelques parties mais bon c'est comme ça malheureusement on peut pas scripter plus Ouais, c'est déjà pas mal, hein, parce que... Ouais, c'est déjà pas mal. Au bout d'un moment, vous finissez par arriver au rocher de la Wyverne. C'est une colline, le lieu dit, de bonne taille, avec des kilomètres de terrain accidenté sur ses flancs et versants. Pour trouver ce fameux campement orque, ça vous prend quand même du temps. Je veux bien que d'ailleurs que vous me fassiez un petit test de survie ou perception. Le DD est pas le même suivant ce que vous faites. Hein. Moi je prends perception. Hein. Ouais, ça m'intéresserait l'un ou l'autre de la même manière donc. Oui. Et quel est le DD moindre, je dirais. Le plus facile c'est avec survie, mais pour avoir survie. Ah bah ok. Il n'y a pas de compétences qu'on peut balancer. Il faut avoir survie. Oui, mais enfin, il faut avoir des points dedans si tu veux pour faire un truc correct. Quoi, pour que ça soit intéressant de prendre l'un plutôt que l'autre. C'est le même bonus, j'ai intérêt à prendre survie. Alors, qu'est-ce que je vois avec mes yeux de alphelion? Bah rien. T'as de la buée sur les lunettes. Alors. Survie. Donc chez Tarn et Bénédicte. Les yeux de Halfling, toi, ils sont pas terribles. Ouais. Le coup. En fait, plus que. C'est une odeur qui vous fait retrouver l'endroit. Une faible odeur de fumée flotte dans l'air lorsque vous grimpez sur une crête accidentée à travers les. La colline. 45 mètres, c'est précis. Hein, ça, j'adore ce genre de description. Ouais. 45 mètres plus loin, t'es. Bon, bref. Vous distinguez l'entrée d'une caverne en bas d'un ravin, retranché derrière un rocher, à une vingtaine de mètres de la caverne, un orque solidaire. Solidaire. Ouais. Solidaire, c'est qu'il a. Solidaire avec les chevaux.